soir, on va démarrer au Jazz Station à Saint-Josse. J'ai décidé d'inviter Florian Versuhl. On s'est rencontrés comme sideman dans divers projets. Et là, on a décidé de monter un répertoire. Alors, c'est vraiment une création, labo, expérimentation, voilà. Mais les répétitions nous ont déjà montré qu'on avait très très envie d'en faire un vrai projet. Donc voilà, on est très contents de faire notre première mondiale au River Jazz ce soir. S'enchaîne, le chemin général est établi, mais il y a beaucoup d'impro, un peu comme un patchwork. En fait, on a amené tous les deux des compositions, des partitions à essayer. C'était déconcertant à quel point ça s'est mis naturellement. C'est la chorale Estourdion de l'Académie de Etterbeek sous la direction de Véronique Ravier. J'ai écrit des petits arrangements et donc l'idée c'est de faire le lien entre le concert et le concert suivant, donc à l'entrée des salles, à la sortie des salles, pour que le public puisse aussi participer, pour que ça devienne un peu plus perméable, le public, les élèves, les salles, la musique, pour qu'elle soit partout. Voilà, petite touche que je voulais donner, on verra ce que ça va nous apporter. La deuxième partie de la soirée, c'est avec mon acolyte Andy Cutting qui nous vient en direct live de l'Angleterre. It was a terrible situation. C'est vraiment de l'accordéon diatonique pur et dur dans le milieu de l'accordéon diatonique. Quand on a annoncé qu'on faisait ce duo il y a quelques années, la réaction des deux camps, si j'ose dire, c'était vraiment « mais qu'est-ce que tu vas faire avec lui ?» ou « qu'est-ce que tu vas faire avec cette fille ?» On est un peu deux noms diamétralement opposés. Sur cet instrument, c'était un peu la blague, quoi. Au début, les gens pensaient qu'on faisait ça plus comme provocation. On tomberait vite dans la fusion, ou d'essayer de faire semblant, de suivre l'eau dans ce qu'il fait, alors qu'on a vraiment voulu monter un duo où chacun reste lui-même, tout en trouvant un terrain de rencontre. Et je trouve que le Sangor, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Dead,
plein de souffleurs, un espèce de mini Big Ben. C'est peut-être un peu exagéré, mais dans le son et dans l'énergie, c'est vraiment ça. Tous des super gars, et puis c'est aussi un plaisir particulier puisque j'ai écrit les arrangements de cette musique. Donc jouer sa propre partie et ses propres impros entouré des arrangements qu'on a écrits soi-même, il y a un truc très confortable et chouette qui swing et grosse ambiance. Donc voilà, je suis impatient d'y être. Musette punk, diront certains. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Donc la grande équipe ce soir au Marly. Sans oublier notre homme du son, qui sera Jan Chris Vinken, d'ailleurs, pour toute la soirée, qui, comme moi, fait le marathon. Ce soir, c'est la rencontre. C'est faire se rencontrer différentes musiques, différentes personnes, le public, les musiciens, passer un bon moment de partage ensemble. Voilà, s'amuser dans l'écoute et la rencontre.